suis arrêté au parc de la Garenne qui longe la Bèze, enfin la Baïse, parce qu'il faut pas oublier le tréma. C'est la rivière qui passe là. Et alors, ça c'est la statue de Fleurette. Et alors, Fleurette, elle est tombée amoureuse de Henri IV, parce que c'était la fille du jardinier du roi. Et bon, c'est ce que font les filles de jardinier du roi. Elles tombent amoureuses du roi. Et lui, il tombe amoureux d'elle, mais un seul jour. Et puis après, il se casse. Comme on dit, il tourne le page. Enfin, la page. Tourner le page, ça c'est... Il le fera aussi plusieurs fois. Et Fleurette, désespérée... Plutôt que d'oublier son chagrin, elle se noie dans la baïse. Voilà. Et à 16 ans, quoi. Bon, cool. Ça valait bien qu'on lui fasse une statue. Voilà donc l'histoire de Fleurette que je viens de vous raconter. Comme on dit, je viens de vous conter Fleurette. Voilà. C'est elle. Je vous la montre. Bon, j'ai essayé de baptiser ce bateau la Galurette. Et me voilà capitaine à bord. Ce Tour de France... ce Tour de France commence bien. Il fait un temps impeccable. Un soleil... un très très beau soleil. Et puis, à la bord de la Galurette, je remonte la Bèze jusqu'à Condon. C'est très très agréable. J'ai passé la première écluse. J'ai croisé un bateau qui enlevait des troncs d'arbres au milieu de la flotte. Plutôt cool. Comme ça, j'ai pu passer. Puis là, je m'enfonce un peu dans les bois où coule la rivière. Le moteur fait un peu de bruit, mais pas tant que ça. Alors, forcément, je fais pas ce bout de trajet à pied. Il y en a qui vont dire que c'est de la triche, mais je fais absolument ce que je veux. Et là, je suis tellement content de faire du bateau. Et là, je vois la deuxième écluse qui arrive. Bon, je vais me concentrer un peu pour aller m'amarrer et passer la deuxième écluse. Allez, ça va le faire.